Yo bro, forme ou quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Moi c'est Laurent, si c'est la première fois que tu vois ma tronche sur YouTube, sache que je suis un passionné de trading. J'ai créé aussi un robot trading, j'ai créé des différentes stratégies de trading. Donc si tu veux en savoir plus, tu vas dans la description en bas de la vidéo. D'ailleurs, en parlant de robot trading, je me suis réveillé ce matin, j'avais pas encore déjeuné, et mon premier réflexe, bien sûr, c'est de prendre mon téléphone portable et de voir. Donc déjà premièrement, de voir si le robot, il avait bossé pour moi. Et effectivement, le robot a bossé pour moi. Alors, c'est pas grand chose, d'accord, c'est pas énorme. Mais pendant que je dormais, le robot trading a bossé pour moi. C'est pour ça que j'adore le trading automatique. Parce que tu dors et tu as de l'argent qui rentre. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ouais, oui ou non, c'est un truc de malade. Donc voilà, c'était. Je suis toujours pas habitué, hein. Ça me fait toujours autant sourire. je devrais être blasé, tu vois, mais ça me fait toujours autant sourire. Donc ce matin, je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais faire du lait de noisette, avec du lait de noisette. Le truc, il coûte une blinde. Je prends pas de lait de vache, je prends du lait de noisette. Je supporte pas trop le lait de vache, tu vois. Donc, je prends du lait de noisette. Comme si la noisette, tu sais, il fallait la traire, mais n'importe quoi. Des fois, mais bon, c'est bon, hein, franchement, c'est bon. Donc, enfin, moi, j'adore. Il y en a qui n'aimeraient pas, mais moi, j'adore. Donc, je prends du lait de noisette. Des fois, si, quand j'ai pas de lait de noisette, je prends du lait d'avoine. Mais là, j'en ai acheté hier, donc je prends du lait de noisette. Et puis, je vais me poser sur le canapé. Pendant que je prends mon petit déjeuner, je me pose sur le canapé. Et je vais tout simplement regarder Netflix. Et ouais, alors, pendant que je vais regarder Netflix, est-ce que le robot va bosser pour moi? Enfin, le robot, les robots, parce que j'en ai plusieurs. J'ai installé le Big Boss du Forex. C'est comme ça que je l'ai appelé. Hein. J'ai appelé mon robot comme ça. Un peu prétentieux. C'est pas le meilleur robot pourtant. Hein. Mais moi, j'ai voulu lui donner un nom qui flashait, tu vois. Donc, je l'ai installé. Il va tourner, il va scanner la paire Euro-USD, la paire GBP-USD, GBP-JPY, Euro-GBP, AUD-USD, et il va aussi scanner CAD-JPY, parce que j'ai refait encore le backtest hier soir, et ça passe, d'accord? Il y a jusqu'à 7 niveaux, donc je lui laisse la chance. Par contre, la paire USD-CAD, je l'ai pas mise, parce que tu la mets seulement si tu veux vraiment être high risk, tu vois, si tu veux vraiment risquer des trucs. Donc, je l'ai pas mise. Donc voilà, c'est tout. Donc ça va tourner. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Après mon petit déjeuner, bon, je vais regarder le market, évidemment. Et je vais envoyer un email. Tous les jours, j'ai décidé d'envoyer un email pour pouvoir dire ce que je fais. Pour que tu puisses voir mon quotidien, mon aventure avec les robots trading, le trading manuel. Alors, je lance aussi un truc. Tiens, je vais en parler là. Je lance aussi. Je suis à la recherche de traders, que tu sois débutant ou pas, mais de traders qui ont le temps. C'est-à-dire que si tu trades toute la journée, tu m'intéresses, d'accord? Même si tu n'as pas des bons résultats, si tu trades toute la journée ou si tu peux trader toute la journée parce que tu n'as pas de boulot ou parce que tu es en année sabbatique pour X raisons, mais si pendant, allez, 6 mois, tu peux trader toute la journée, tu m'intéresses. Si tu peux trader que le matin, tu m'intéresses aussi. Et si tu peux trader que l'après-midi, tu m'intéresses aussi parce que comme ça, je vais te mettre dans un binôme. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de créer une team. Et cette team-là, elle va changer la vie de milliers de personnes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je cherche des traders capables de rester devant leur écran toute la journée. En tout cas, que ce soit le matin ou que ce soit l'après-midi, mais capables de rester devant leur écran. Voilà. Donc, et même si tu perds, même si tu as perdu du cash, même si tu as cramé ton compte sur le Forex, c'est pas grave. Parce que moi, je vais t'apprendre quelque chose qui va te permettre de ne pas cramer ton compte. Donc,
Ça, c'est pas un souci. D'accord? Donc, je cherche vraiment une team. Je constitue une team. Et cette team, elle va changer la vie de milliers de personnes. Et bien sûr, toi, si tu fais partie de la team, tu vas gagner du cash. D'accord? Tu vas gagner du cash, bien sûr, sur les marchés financiers, donc sur le Forex, avec les devises. Après, peut-être que tu es spécialisé aussi dans les indices. Mais tu vas aussi gagner du cash autrement. D'accord? Pour l'effort de guerre, t'inquiète pas, tu vas gagner du cash. Donc moi, je cherche des traders déterminés, motivés. Et même si tu n'as pas de capital, même si tu n'as pas d'argent, c'est pas grave. T'inquiète pas pour ça. Voilà, donc si tu es intéressé, tu vas dans la description. Tu prends tes cadeaux. Donc il y a 10 robots de trading d'une valeur de 2 262 $. Quoi d'autre encore? Il y a aussi des indicateurs. Je suis un petit peu dans... Oh, ça fait pas longtemps que je me suis réveillé. Donc, tu prends tes indicateurs. C'est des indicateurs de malade aussi. Donc, ça, c'est un cadeau. Tu peux suivre aussi la formation sur MetaTrader 4. Le comparatif des brokers. Donc, tout ça, c'est dans la description. C'est tout. Voilà. Donc, ce que je voulais te dire, c'est ça. D'accord? Un gros big up aussi à tous les bros qui m'envoient des messages par email. Ça fait plaisir. Superbe. Un gros big up. Pense aussi à mettre un like, s'il te plaît. Pense à mettre un like, un big like. Et puis encore une fois, si c'est la première fois que tu vois ma tronche sur YouTube, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications sur ton téléphone portable. Et comme ça, tu auras toutes les news, toutes les avancées et toutes les infos sur le trading automatique, trading manuel, qui peuvent complètement changer ta life. Voilà. Mon objectif, c'est ça. Mon objectif, c'est que... J'étais en train de réfléchir hier. Vraiment, je sais que moi, mon objectif, c'est d'aider les gens, mais mon objectif vraiment, c'est que l'argent ne soit pas un problème pour toi. Je veux que l'argent ne soit plus un problème afin que tu puisses faire ce que tu veux et pour que tu puisses développer ton potentiel. Parce que chacun, nous avons quelque chose qui nous plaît. On aime faire des choses. Par exemple, moi, j'aime courir. Tu as pu me voir peut-être dans une de mes vidéos. J'aime ça, mon courir, le sport. En général, j'aime ça. Donc ça, tu vois, c'est pas... Je ne veux pas devenir le champion du monde de la course ou quoi que ce soit. Mais c'est un truc que j'aime, tu vois. Mais courir, si tu cours comme ça, ça ne rapporte pas de sous. Donc, il faut avoir un système derrière qui te rapporte des sous. Si tu veux faire un loisir qui ne rapporte pas, tu vois. Il y en a qui aiment jouer au golf. J'ai des copains qui jouent au golf. Il y en a qui aiment les belles voitures. Ben moi, c'est pas mon truc. Hein. Bon, je te le dis tout de suite, hein, Ferrari, Lamborghini, tout ça, c'est pas mon truc. Bon, moi, j'aime BM et Mercedes. Ça, c'est clair. Toutes les voitures comme ça, ouais, ça, ouais, y a pas de problème. Mais, ou Audi, tu vois. Mais toi, si tu aimes les belles voitures, ou les voitures de collection, ben, ça coûte de l'argent, tu vois. Et si t'as un système qui travaille pour toi, soit un robot trading ou soit un autre système qui travaille pour toi, qui te rapporte du cash, ah ben là, c'est plus un problème. Si t'aimes trifouiller, t'aimes réparer les moteurs et tout comme ça, bah, ça va te faire kiffer. Tu vas kiffer de faire ça et tu n'auras plus besoin de te poser la question comment je dois gagner ma vie, parce qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Si tu as un projet, par exemple, en ce moment, j'allais dire d'ouvrir un restaurant, mais en ce moment, waouh, ça va être chaud. Ou sinon, pour acheter un restaurant, oui, là, ça peut être intéressant. Tu peux te lancer dans un projet sans avoir peur parce que tu sais que derrière, il y a de l'argent qui va rentrer. Tu vois? Donc, moi, ma mission, mon objectif, c'est que l'argent ne soit plus un problème pour toi dans le sens où tu vas obtenir un revenu passif qui va te permettre de ne plus penser au problème d'argent et qui va te permettre de penser à tout ce qui te fait plaisir dans ta life et tous tes projets que tu avais quand tu étais petit, que tu n'as pas réalisé, tu vas pouvoir les réaliser parce que ça ne sera plus un problème pour toi. L'argent ne sera plus un problème pour toi. Et il faut savoir que l'argent dans un couple, c'est quasiment la raison numéro une pour laquelle les gens divorcent, c'est le problème d'argent, tu vois, le problème d'argent. Donc, si l'argent n'est plus un problème pour toi, y a beaucoup de choses qui... Il y a beaucoup de problèmes qui sautent, tu vois. Il y a beaucoup de problèmes qui sautent quand tu as de l'argent. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui sautent. Partir en vacances, déjà.
peux partir en vacances, où tu veux, quand tu veux. Je ne dis pas de devenir millionnaire, même si c'est le but quand même, l'objectif quand même, c'est de gagner beaucoup d'argent. Même si tu gagnes que 5000 euros par mois, même si tu gagnes que 10 000 euros par mois, ça va complètement changer ta life. Okay, ça va complètement changer ta life. Les revenus passifs vont complètement changer ta life. Et c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Ça va complètement changer ta life. Donc voilà, ça c'est ma mission. Ma mission, c'est que l'argent, c'est de t'aider à créer des revenus passifs et que l'argent ne soit plus un problème pour toi. Voilà, pour que tu puisses faire ce que tu as à faire, pour que tu puisses développer ton potentiel dans un domaine qui te plaît au maximum. Voilà. Ok, bon, moi je vais prendre mon petit déjeuner avec mon lait de noisette et je vais m'asseoir un petit peu sur le canapé et regarder peut-être le début d'un film. Et puis de temps en temps, je sais que je vais regarder mon téléphone portable, voir si le robot continue de bosser. Voilà, j'ai acheté un robot aussi dernièrement, enfin, j'en ai acheté deux. Il y en a un que je ne vais pas forcément mettre. Je suis un petit peu déçu, j'ai vu qu'il y avait des commentaires un petit peu négatifs dessus, mais bon, donc je ne vais pas forcément l'installer tout de suite. Donc je vais installer l'autre robot que j'ai acheté, qui a un fort potentiel. Ils sont deux concepteurs d'avoir créé deux associés qui ont créé ce robot-là. Il y en a un, bon, c'est un peu, j'aime pas ce genre de truc. Le gars est bon, il a une photo et derrière lui, il y a quoi ? Il y a une Lamborghini. Ça fait, tu vois, moi je suis riche, ouais. Bon, j'ai calculé le nombre de clients qu'il avait avec le prix du robot, etc. La Lamborghini, soit il a acheté d'occasion, donc elle a je sais pas combien de kilomètres, ou soit il a loué pour la photo. Donc, ok, donc les gars, arrêtez de présenter des Lamborghini, des Ferrari, si c'est pas à vous. Franchement, arrêtez. Bon. Ou sinon dites-le, moi j'ai loué la Lamborghini pour faire la photo, je kiffe trop cette voiture, tu vois, tu dis la vérité, mais tu prends pas une photo avec une Lamborghini pour faire genre. Bon, je l'ai pas rencontré ce gars-là, ça se trouve, c'est sa vraie voiture, tiens, ça sera un de mes défis ça, c'est d'aller voir ce gars-là et lui poser la question si c'est vraiment sa vraie voiture. Voilà, tiens, la prochaine fois que je vais faire ça, ouais, dès que je vais voir un gars, la prochaine fois, qui a une Lamborghini, une Ferrari, etc., boum, je vais les papiers. Enfin, c'est loué ou pas loué. qu'est-ce que je disais encore ? Parce que là, je suis en train de me perdre, là. Ah oui, donc le robot que j'ai acheté, l'autre robot que j'ai acheté, je vais le mettre en route. Je vais ouvrir aussi un compte chez un broker, j'essaye d'avoir... D'ouvrir un compte chez un broker qui a un effet de levier de 1 pour 500. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref, peu importe. Ça me reviendra. Je le dirai dans une autre vidéo. De toutes les manières, c'est tous les jours. Tu recevras un email de ma part. Donc dès que tu es inscrit, dès que tu as récupéré tes cadeaux, t'inquiète pas, tous les jours, je te tiens au courant de la suite. Ne te lâche pas. Voilà. Une fois que tu es inscrit, tu fais partie de la team. D'accord. Une fois que tu es inscrit, t'es dans la famille, bro. Voilà. Bon, c'est tout. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. Voilà. Un gros big up à toi. Prends soin de toi. On se capte demain. Et ne lâche rien, bro. Ne lâche rien. Big up. Ciao.